Oui, un stream en plus, j'ai fini tôt aujourd'hui. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut à Rose. Et merci pour le resub. Et oui, un stream en plus, j'ai fini tôt aujourd'hui. Ah nice, c'est cool ça. Ouais, du coup, nouveau live. Ça fait un petit moment que j'avais pas stream, tout simplement parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai tourné pas mal de vidéos, j'ai dû préparer pas mal de choses. J'ai aussi pas mal de choses où je dois travailler sur les modpacks, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de live ces derniers temps. Mais à la place des lives, je vous sortais quand même une vidéo de Chroma Endless 2. Parce que ouais, j'ai tourné pas mal de vidéos, donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui les amis. Alors attendez, bougez pas déjà. Tac. Voilà, aujourd'hui je disais donc on va faire quelques petites automatisations, quelques petites autos qui vont être sympatoches, notamment au niveau, enfin qui vont être sympatoches, c'est des choses basiques hein, mais j'ai plein de choses ici où c'est un peu relou pour le moment. Alors pourquoi? Parce que à l'heure actuelle je passais par Immersive, pour faire mes plays, les choses comme ça, et c'est bien 5 minutes mais c'est un peu lent. Et en plus de ça, je pouvais pas tout mettre parce que j'étais limité avec ce setup là. Du coup j'ai pas mal de plates ici à faire, etc, etc. Y en a, ils servent pas forcément hein. Par exemple, il faudra qu'on fasse un tri. Mais là, par exemple, salut, comment vas-tu? L'uranium sheet metals, il sert pas par exemple. Enfin l'uranium plate, elle sert pas. Il faudra qu'on fasse un tri pour voir ceux qui sont utiles et pas utiles. On t'en veut pas, faut que ça reste un plaisir pour toi. Ouais, non mais c'est... C'est vrai qu'il y a une grosse charge de travail là ces derniers jours. Et puis des choses qui m'énervaient un petit peu, mais rien de bien grave. Dans tous les cas, on est là et on va pouvoir faire pas mal de petites choses. Moi ça reste un plaisir en tout cas de jouer. C'est pas parce que j'ai pas fait de live que j'ai pas joué à Chroma, bien au contraire, j'ai beaucoup joué à Chroma, j'ai fait beaucoup de choses. Et ça c'est plutôt cool. Oui, on est là. Salut Lio, merci pour le resub. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi Lio? Merci Noli aussi pour ton resub. 71e mois. Oui, on est là. Vivement les vacances pour moi en ce moment. Ça me manque de jouer. Ouais, moi je suis en vacances semaine prochaine. Je suis en vacances semaine prochaine. Donc ça va être cool. Pendant deux petites semaines, j'ai des vacances. Donc ça va me faire du bien. Même si la première semaine, ce sera un peu moins des vacances. Mais la deuxième semaine, ça sera full vacances. Point. Merci Balou pour le resub. Balou qui veut même pas me dire bonjour, il met juste un point. Il pourrait dire bonjour quand même. Merci pour le resub. Oui, donc on va avancer. On va avancer sur pas mal de petites choses. Alors ouais, depuis le dernier live, je sais même plus ce que j'ai fait dans le dernier live. Vous souvenez? Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus exactement sur quoi on était dans le dernier live. Mais du coup, oui, au niveau du stage 4, j'ai bien avancé en vidéo. Ça sortira dans les prochains jours et semaines. On a notamment avancé sur tout ce qui est extended crafting ici, pour aller sur aussi du bigger reactor. Pour aller aussi sur du Beyond Earth, ça je l'ai tourné la vidéo hier. Donc c'est bon, je peux aller sur la Lune. Et maintenant je pourrais débloquer toute cette partie là. Donc ça c'est cool, j'ai très bien avancé là-dessus. Ça va m'être très très utile. Mais comme je le disais...
Ouais, j'ai vu hier que tu tournais, hein. Ouais. T'inquiète, t'inquiète, Noli. salut Yuki. Mais ouais, du coup, on va pouvoir avancer là-dessus. Mais comme je le disais, notamment là, etc., bah, tout ça, ça demandait pas mal de play, des choses comme ça. Donc là, pour l'instant, je le faisais avec immersive, mais je me dis, ça serait bien quand même de l'automatiser avec, avec Thermal pour pouvoir, bah, notamment après, leur mettre des petites énergies, enfin, des speed upgrades, des choses comme ça. Où ça pourrait être plutôt, plutôt cool. Ok, bon, du coup. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ben on va commencer. Ouais, on va commencer les autocrafts. Comme je disais, j'ai pas mal de choses à autocrafter, notamment les plates, des choses dans l'induction smelter, des rods, des choses comme ça, ainsi que les cerveaux et les flux coils. On va déjà s'attaquer, je pense, aux plates et aux... Rod, alors attendez, non, on va faire un autre truc avant. Est-ce que je les ai mis dans mes autocrafts? J'ai préparé un petit peu mon stream. Ou bien. Ouais, tac, ça, 2, start, quantum link. Et il me faudrait ça, 16. Start, ok, il peut me les faire. On va, vu qu'on va aller dans une compact machine, je vais utiliser les quantum bridge pour pouvoir leur amener, bah, pour amener tout simplement de la... des réseaux applied tout simplement. Donc comme ça on va utiliser le quantum ring et le quantum bridge. Il va me falloir une singularity, il me faudrait une TNT, on va faire une tiny TNT, ça sert à rien de faire là je suis dans le pattern, une tiny TNT, je dis donc ça sert à rien de faire une grosse TNT. Il va me falloir de l'under dust, est-ce que j'en ai? Ouais j'en ai, normalement c'est un, et un petit levier, tac, on fait ça vite fait. Normalement on est bon. Quantum ici, quantum bridge, hop je fais ça, je vais faire un slash home. Vous allez voir qu'on va éclater un petit peu le sol, mais c'est pas très gros comme explosion, donc je peux jeter ça, ça. Qu'est-ce qui manque d'autre? Normalement c'est tout, hein, attendez. Singularity, drop under the singularity, oui c'est ça, hop tac. Mes souvenirs sont bons encore. Hop, on fait ça. Là, comme ça, ça fait boum. Nickel. Je récupère ça. Ça me redonne en plus ma dirt. Donc ça, c'est ghoul. C'est ghoul. C'est ghoul, c'est un mélange de good et de cool. Du coup, c'est ghoul. J'ai les quantum entanglés de singularity. Ça, c'est fait. J'avoue, c'est moi. En fait, ce qui s'est passé, Noli, c'est que j'étais dans la lune, enfin sur la lune, pas dans la lune, sur la lune, je voulais me crafter, parce que j'ai mis le digital miner, et je voulais me crafter des énergies, non, speed upgrade, ouais, des speed upgrade et des énergies upgrade, et en fait, je lui ai demandé, genre j'ai fait ça, plus 10, et tu sais quand tu fais next, en gros ça te calcule ce qu'il faut. Et si tu fais directement mage et start, ça zappe le step d'après. Et en fait, il a pas kiffé que j'aille trop vite. Vous savez, il a dit nope. Du coup, j'ai fait bon. On va laisser comme ça. ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est... Par contre, je sais pas du tout où c'est que je vais mettre mes Quantum Bridge. J'ai pas prévu d'emplacement. J'ai pas du tout prévu d'emplacement pour le moment. Parce que là, non. Là, non. Oh. Ouais. Après, ça peut être posé là. Hein. Ça peut être posé ici. Hein. Regardez-moi ça. Si je mets ça ici. Attendez. Nickel. Je mets ça ici. Tac. De toute façon, il ne va pas m'en falloir énormément des Quantum Bridge. Entre les piliers, ce serait bien. Ouais, voilà. Bah, tiens. Les piliers. Pop. Ensuite. Là, j'ai un Dense Cable. Dans l'idée.
Dans l'idée, comment on pourrait faire ça? Non, je ne vais pas faire salut. Dans ce cable, est-ce qu'il m'en reste? Il m'en reste. Là, j'ai mis des P2P ici. Dans l'idée, j'aurais bien voulu refaire la même chose en bas, sauf que je l'utilise ici. Est-ce que ça se connecte là-dessus? Non, ça se connecte que ici, ouais. Ça se connecte que ici, donc on va faire ça vers le bas. Oh! Oh! Après, c'est pas grave. Ah si, c'est peut-être grave. Non, c'est pas grave. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, et là-bas, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ouais, j'aimerais bien mettre un danse que pour lui. Alors, vous savez quoi pour... Non. J'aimerais bien lui mettre un danse que pour lui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va le laisser là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est le passer par-dessus. Moi, ça me dérange pas de voir des câbles, bien au contraire. Et dans l'idée, je pourrais le mettre juste ici. Et après, on pourrait les colorer, ceux-là. Ah. On pourrait faire ça. Là, il est en network booting. Alors, je vais pas mettre de P2P directement ici, je vais en mettre autre part, des P2P à l'intérieur directement. Parce que c'est plus intéressant de les mettre à l'intérieur que de les mettre à l'extérieur, les P2P. Pour le quantum, surtout pour ce que je veux faire. Donc ça, on va le mettre ici. Voilà, et puis maintenant, on pourra faire l'autre chose à l'intérieur du... de la compact machine. Ouais, on va faire ça. Par contre, il lui faut un petit peu d'énergie, donc je vais me récupérer... Vite fait l'énergie accepteur pour le bypass, enfin pour lui, pour le bypass, mais pour lui amener vite fait de l'énergie et après le déconnecter. Normalement ça devrait suffire. Tac. Là on est bon. Du coup, ici, après l'automatisation de mes compact machines. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur l'automations compact crafting, ça va vachement bien. Ça marche super bien, ça. J'avais fait un truc similaire à peu près sur Chroma Sky 2. Mais celui-ci, il est un peu plus opti. Il marche trop bien. Et en plus, avec Applied, c'est trop, trop bien. Tac. Ok. Ici, j'avais une compact machine que je suis jamais rentré dedans. C'est pour ça, attendez, il y a le petit chargement. Je suis jamais rentré dedans parce que je l'avais fait, puis je l'ai jamais utilisé. Regardez, nickel. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Et de mettre directement un Quantum Bridge juste ici. Tac, on va faire ça. Je vais mettre ça ici. Et ce qu'on va faire, c'est l'alimenter vite fait en énergie. Tac, si je lui mets ça, normalement il va se mettre en mode booting. Ok, parfait. Network booting, là on va attendre un petit peu. Normalement après il va être en mode online. Et comme ça, ce sera pas mal. Voilà, device online. Normalement, quand il est en device online, je peux le déconnecter. Et comme ça, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus du tout de problème et il est alimenté en énergie. Normalement. Voilà, regardez, device online, normalement, on est bon. Si jamais ça va pas, il faudrait que je refasse des energy acceptors. C'est pas trop, trop grave. D'ailleurs, ce que je peux faire, je teste un truc. Faut que je teste un truc. Je peux crafter ça. Il a dit partir du taf. Enfin, aller au taf. Booting. Online. Ouais, c'est pas très très utile. Ok. Maintenant que j'ai ça, ça on va le scinder un peu en différents étages. J'ai envie de dire que... après j'aurais dû le mettre en plein milieu ça. J'aurais dû le mettre en plein milieu pour pas être embêté. Il est où le milieu? Le milieu il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais c'est ça.
Il est ici. Tac, on va faire ça plutôt. Comme ça, on sera pas mal. Énergie. Ah oui, alors. Vas-y, booting-toi là. Énergie, accepteur, il est là. Tac, on refait vite fait la chose. Gate. Tac, tac, tac. Mets-moi ça, mon ami. Booting, ça devrait être bon. Je peux le déconnecter. Maintenant, avec ça, on va pouvoir faire des miracles. Il est en online. Parce que là, à mon avis, je vais... Ouais, voilà, il est en online. Alors, qu'est-ce qu'on va automatiser dans un premier temps? Eh bien, on pourrait faire les inductions smelter. Les inductions smelter, j'ai essayé de sortir tout ce que je vais pouvoir automatiser. Alors, je vais avoir les lingots ici. Donc, induction, normalement, je crois que j'ai mis l'autocraft. Ouais, j'ai mis l'autocraft. On va voir si j'ai assez de choses ou s'il y a des choses qu'il faut que je crafte. On va avoir les glaces, donc ça fait 1. Les lingots, ça fait 2. Après, on a les choses un peu moins communes. Genre le 256K, le Power Core, ça fait 3. Et je dirais bien tout ce qui est upgrade ici, la component, ça fait 4. J'en mettrais bien 4, moi. On peut faire... Alors, il me faut quoi? Signalum Gear, ok. Est-ce que j'ai du Signalum? J'en ai un petit peu. Est-ce que je peux faire du Signalum? Oui, normalement, c'est quoi? C'est Redstone, Copper, Silver. Redstone, Copper, Silver... Ok, ça, on va le chunk load. On va sortir d'ici. On va se refaire un petit peu de signalum. Vous voyez, c'est pour ça que je veux autocrafter un peu tout ça. En fait, pourquoi je veux l'autocrafter? Parce que je suis en train de faire un truc qui est super relou. C'est la ludicrite. Et la ludicrite, il me faut de l'underium. Et en fait, je suis tous les jours en train de... Enfin, tous les jours, j'abuse un peu. En train de regarder pour faire de l'Underium, et c'est déjà extrêmement lent, parce qu'il n'y a pas d'upgrade pour le moment. Et en plus de ça, bah, il m'en faut beaucoup. Enfin, il m'en faut beaucoup, il m'en faut quand même pas mal. Nickel. Alors... Alors, si je fais ça... Hop. Nickel. Paf. Ok. Hop. Voilà, je vais juste check quelque chose. Mais c'est bon. Signalum, c'est un peu lent. Booste un peu ça. Il faut un petit peu. Ça, je vais pouvoir le ranger. Pour le moment, je vais me crafter des P2P. Ah, j'ai toujours pas fait l'autocraft du P2P d'ailleurs. Ah non. Faudrait que je le fasse. Ça, il y aura combien de machines? Ça, un P2P devrait suffire amplement. Un P2P devrait suffire amplement. Je vais faire ça. Smart Cable. Ok, je vais me ressortir, je me suis fait un petit doc. Un doc de suivi de mes P2P. Pour savoir qui est sur quoi, je vais me faire une nouvelle zone. Je vais marquer zone... attendez, non, je vais faire compact machine 1. Comme ça, je vais pouvoir calculer le nombre de P2P que j'ai et sur quel ID je vais le mettre. Sachant que je pense que je vais le mettre sur un nouvel ID. Je vais le mettre sur un nouveau. Hop, je vais le mettre sur un nouvel ID, comme ça on sera pas mal. Tac, ça, signalum, G. J'en fais combien? Bon, allez, tout. Celui-là, en vrai, pour les autos, j'ai à peine une auto de silicone Charged Certus. J'ai fait mon appareil du pauvre secours. Bah ouais. Ouais, ça prend du temps. Hein. Enfin, en vrai, moi par exemple, je pourrais être plus loin, mais c'est juste que je prends énormément de temps à faire différentes automatisations. Et encore, il y a des choses qui ne sont pas automatisées que je fais au fur et à mesure. Voilà, voilà. Induction.
Bon, il y a tout. Start. Il va me falloir des patterns. Pattern provider. Qu'est-ce qui me manque? Regalium. X-Dust. Regalium. Mais t'as fumé. Descendez d'un cran, monsieur. Regalium, il m'en manque. Oui, voilà. C'est ce que je me disais. Les fumées. Qu'est-ce que c'est que ça là? Voilà. Voilà. Il manque pas de régalium. Faudrait que je processe. J'ai une idée de. Enfin, je l'ai fait et je l'avais fait sur la bêta. Avec un process avec Applied. Pour casser les items, parce que avant, d'habitude, je le faisais tout le temps en mode builder de RF Tool, etc. Mais là, avec Apply, vous avez le destruction, etc. Et en fait, on peut les enchanter, les planes, on peut les enchanter. Et je sais que je l'avais fait pendant la bêta. Bon, je l'avais fait, j'avais fait une version compacte. Elle était même tellement compacte qu'elle ne pouvait pas suivre. Au vu du nombre de ressources que je produisais. Mais par contre, j'ai kiffé le faire. Parce que je trouve que c'est trop bien. De passer par quelque chose d'apply comme ça. Au moins, ça marche vachement bien. Et ça processe super, super rapidement. Tac, nickel. Donc, Fix Dust, ça. Charged. Ça, le charger pareil, ça j'attends pour l'auto-crafter parce que moi ça sert à rien de le faire avant, sachant que je vais avoir le flux aggregator bientôt. Là j'avais ma mini-automatisation, enfin semi-automatisation, donc ça me servait amplement. Quartz 4 millions, ça devrait le faire. On va faire un slash home à eux, tac, on va acheter ça ici. Tac, 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 vas-y transforme-toi. Salut Bleu et moi, ça va bien et toi? Hop, un petit peu de flux. Ouais, non, je préfère que ça prenne moins de place. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, pattern. Pattern 4, start. Ensuite, on est pas mal. Pour le moment, je sais pas comment j'amène l'énergie. Comment je vais les ramener l'énergie? Parce que en vrai, ça serait bien par des câbles de power. J'ai pas envie de passer par des trucs genre Xnet ou modular router, des choses comme ça. Je pense que je me ferais bien des petits câbles de Neotic là, que j'en ai un petit peu. 50 000 FE par tick, c'est pas mal. Je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ça voudrait dire que si on retourne dans notre petite zone, juste là, tac, tac, nickel. On arrive ici. Skystone. Est-ce qu'on se ferait pas une petite dalle? On serait pas une dalle en skystone. Ah, j'ai plus de skystone, faut que j'aille en cuir, mais c'est terrible ça. Tac. Allez, cue-moi ça. Voilà. On se fait une petite dalle ici, je vais mettre mon spawn juste en dessous là. Et comment je vais poser mes machines? Comment je vais les poser? En vrai, on va faire ça. On va faire 1, 2, 3, 4. Ok, et là, induction.
1, 2, 3, 4. Derrière. Derrière ou je fais un truc en mode au-dessus comme ça? Ouais, je vais faire un truc comme ça plutôt. Là, je m'en fiche un peu de... du visuel à proprement parler. Hop, je fais ça. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13. Il y en a 13, il y en a 13. En vrai, j'ai envie de faire que des lignées de 8, comme ça je suis pas embêté. Et on va les décaler de 2. Tac, on va décaler ça de 2. Voilà. Comme ça, ici, il y aurait un smart cable. Là, on va avoir un smart. Un P2P. Un dense. Comme ça, ça fait 8. Non. Attendez. Si j'en mets 8, on est d'accord que je peux faire 4 lignes. Donc 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'aurais pas dû le coller plutôt? Je suis en train d'essayer de l'optimiser parce qu'il y aura plein de choses dans cette compact machine. Que si je fais ça, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah oui, d'accord. Donc dans tous les cas, je pourrais pas faire. Ok. Ok, ok. Du coup, comme ça, ça ferait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 3 et 3. On peut partir là-dessus aussi. Donc si ça fait 3 et 3, donc ça fait le deuxième là, le troisième là. Ok. Donc ça voudrait dire que si je prends ça, ça, je ferai P2P ici et je mettrai un autre P2P là. Comme ça, après, je fais dense cable. Une ligne comme ça. Là, il y aura une ligne aussi de dense cable. Et là, je relie avec des smart directement ici. Tac. Comme ça, ça se connecte après directement. Ok. Alors, memory card slash home 2. Normalement, j'ai un emplacement qui est le 286C. 286C que celui-ci, j'ai pas encore utilisé. 286C, il est là. J'avais réopti un petit peu toutes mes, mes P2P pour les remplir au fur et à mesure. Sachant que les P2P, tout ce qu'il y a là, il y en aura aussi en dessous. On peut en mettre à l'intérieur. Il y en aura énormément de P2P. Donc là-dessus, je m'en inquiète pas. Et là, si je le connecte ici, normalement, ça devrait se lancer. Il est en train de booter. Le chargeur, je l'ai auto avec juste des filtres et le truc de base de Applied. Bah, en vrai, pour le challenge, j'ai voulu le faire tenir sur un chunk et ça me permet d'avoir auto Certus Quartz, Charged Certus, Certus Powder, Silicone, mais c'est bandé qu'à regarder en même temps écrit. J'essaie de l'update au fur et à mesure. Device Online, donc ça c'est bon. Ça c'est Device Online aussi, donc ça c'est parfait. Maintenant il faut de l'énergie. En vrai, j'aurais dû mettre 2 de haut ça. Non, c'est pas grave. Il me faut de l'énergie, donc j'aimerais bien récupérer une petite gate ici. On va connecter directement là. Tac, ok. Comme ça, ça va m'amener de l'énergie dans tous mes inductions smelter. Parfait. Les inductions smelter, on va les connecter en in and out sur le top. Tac. Voilà. Nickel. Nickel. Ça, c'est fait. Donc ça, déjà, dans un premier temps, nos inductions smelter, il n'y aura plus qu'à mettre les patterns. Donc le plus simple, quoi. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir... Magma. Alors attendez, parce que là j'en ai 4, il m'en reste 4 à mettre. Les metal press, enfin les multi-servo press, j'en aurais peut-être 4.
Peut-être pas, il y en aura peut-être un peu moins. Je vais déjà en faire 2. Multi cerveau presse. Ça, 2. Start. Qu'est-ce qui manque? Rien. Pattern. 2. Start. Voilà. Hop, on va pouvoir poser ça ici. Ici, pareil, on va faire ça, ça. Ici, on casse, on casse. Tac, tac. Nickel. Au niveau du multi-cerveau presse, si j'en aurais besoin pour plusieurs choses, mais c'est pour auto. Je l'ai pas mis dans mes dans mon listing, c'est ça. C'est le base augment aussi. Donc ouais, c'est pour ça qu'il y en aura peut-être 4. Ou que je recalcule un total de combien il va m'en falloir. Enfin, multi-cerveau, il y en aura peut-être 3, je veux dire. 3 ou 4. Bon, pour l'instant, je vais en poser 2. Et on va voir après. Parce qu'il y en aura un, ça sera pour les rods. Ça, ce sera pour ça. Vu que ça, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de catalyst. Que les rods, il y a besoin d'un catalyst. Il y a besoin du metal press mold. Et les plates, ouais, les plates, il y en aura minimum 2, voire 3. Donc, s'il faut que j'en refasse 2 autres. Ça, je vais en refaire 2 autres. Start, comme ça, on sera pas mal. Et je préfère en avoir plus. Et essayer de séparer un peu plus en mode, ça, je l'utilise très peu. Là, je le vais avec quelque chose que j'utilise beaucoup. Pour qu'on puisse optimiser la création des plates. Pas me mettre, par exemple, je sais pas moi, l'iron plate avec le steel plate, sachant que c'est les deux que j'utilise limite le plus. Merci Rezio pour le follow, bienvenue à toi. Hop, on fait ça, et là pareil. Tac. Merci Woodfang, merci Goku pour le follow. Tac. C'est bien et toi? Hop, nickel. Là, on est bon. Et là, j'ai ma lignée de mes 8 machines. Parfait. Parfait, parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir déjà commencer à faire un peu de pattern. Et bien, ton mode pack? Bah oui. Moi, j'aime bien. Non, j'y jouerai pas. Je l'aurais pas sorti sinon. Aluminium rod. Tac. On va ranger un peu tout ça, je les récupérerai après. Alors attends. Attendez. En vrai. Ça, j'ai juste à les récupérer. Je les ai déjà. Je les ai déjà, ils sont quelque part par ici, voilà. Là. Nickel. Très bon marketing, je vais y jouer. Ah oui. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ah, d'ailleurs, il y a les wires aussi que j'ai complètement zappé. Les wires, on peut les faire aussi ici. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. En vrai, les wires, ouais, si, on pourrait les mettre aussi. On pourrait les mettre aussi. Ouais. J'y pense. Du coup, qu'est-ce qu'il va me falloir? Je vais me faire les wires sales. Tac, c'est quoi? C'est les steel plates. Steel plate. Oui, c'est ça qui est un peu relou, c'est que pour l'instant, les steel plates... Je vais les faire là et puis c'est relativement lent quand même. Ok, je vais récupérer ça aussi. On va pas enlever la steel plate parce qu'on est en train de les faire, ce serait dommage. Ah mais il y a les gears aussi. Mais j'ai juste zappé tellement de choses. Mais oui, il y a les gears aussi à faire. Ah mais il va m'en falloir tellement des multi-cerveaux presse. Pas grave.
Ça change rien à mon setup. Ça. On va les mettre là. Les plates, comme je disais, il en faut au moins 3. Là, il y aura les rods. Ok. Ok, ok. Steel plate, on récupère. On va aller juste ici. On va mettre le press mold. Et il va me falloir ça. Un comme ça. Nickel. Il me faudra... Ah non, les gears comme ça, ça marche pas. C'est l'autre gear qu'il me faut. Et ça... Les wire, il y en a combien? Ça, il va m'en falloir un. Ok. Il y a les compresses aussi. Ouais, ouais, il y a beaucoup, il y en a beaucoup à faire. Ça, je range. Ok. On va faire un slashback. Je vais mettre ici le wire. Enfin, le metal press, je veux dire. Ici, ça, on va le laisser de côté. Maintenant. Maintenant que ça, c'est fait, on peut l'enlever. Si je demande rod, steel rod, si j'en veux 10, start, ça rentre bien ici. C'est en train de se faire. Tac, ça ressort et ça va là. Et après, il faudra juste mettre des augmentes pour que ça aille un peu, un poil plus vite quand même. Mais ça sera pour après quand on aura full auto les upgrades. Mais dans tous les cas, là, ça fonctionne. Maintenant. Les plates, j'ai commencé à en mettre. J'ai mis quoi? J'ai mis le gold, j'ai mis le netherite, j'ai mis l'iron, j'ai mis le lead. Alors pour l'instant, je vais tous les mettre comme ça et après, je les disperserai par rapport à ce que j'aurai besoin. Le nickel. On a dit que l'uranium, ça servait à rien là au tout début. Le constantan. Il est où? Il est là. Electrum. Copper. Là, c'est bon. Et j'ai le steel plate que j'ai déjà. Ok. On va retourner à notre homme à E2. Normalement, il m'a terminé mes plates, les choses comme ça. Je vais pouvoir le récupérer d'ici. Et je vais pouvoir le poser juste là. Voilà, comme ça, on est bon. Il me faut les autres plates. Alors, qu'est-ce qu'on a? Brass utile. On fait. Tac. Zinc. Ouais. On va voir après. Aluminium. Oui. On fait. Tin plate, on fait. Silver plate, ouais. Bronze, oui. Invar, ah si. Invar, ouais, du coup. Signalum, oui. Mana Diamond, c'est une plate custom. Si elle sert à rien, ce serait complètement débile. Resin plate, ça en vrai, ah si, pour faire ça. Resin plate, ok. D'ailleurs. Oui, resin plate, j'en ai pas besoin parce qu'il est en auto. Tu pensais plus. Mais ça, les resin plate, je l'ai fait en auto, donc on peut le retirer. Underium. L'underium, oui. Ok. Lumium. Lumium, il sert à rien. Et du coup, le zinc, ouais, on va le faire. Allez, hop, zou. Ça, c'est bon. Il va me falloir aussi ce base augment. Tac, nickel. Le leach metals qui se fait comme ça. Comme ça, il est auto-crafté. On va mettre ça directement ici. Tac, et ça, on va pouvoir les distribuer. Hop, je mets ça là. Et comme je le disais plus tard, je vais les disperser un petit peu. Genre le steel, je vais le mettre là-bas. Je vais mettre le copper que j'utilise pas mal ici. Mana diamond là. Tac, on va en remettre un là-bas pour lui et le silver.
Tac. Et je pourrais en remettre un autre, genre l'Invar. Comme ça, on les a dispersés un petit peu, c'est pas trop mal. A plus, arrose. Et j'ai celui-ci que je vais mettre là. Comme ça, on est pas mal. Ok, niveau plate, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer aux autocrafts de l'induction smelter. Comme ça, ce sera fait, on n'en parle plus. Et après, il suffira de remettre des multiservopresses. On a l'Underium Glass. L'Underium Glass se fait comme ça. On a le Reinforced ici. Tac. On a l'Ardenet qui est là. On va faire tous les patterns. Hein. Touk. Ça c'est fait. On a l'Invar ensuite. Tac. Invar. Ouais. On prend ça. Nickel plus ça, il est parfait. Ensuite, on a ça ici. Sand, Obsidian, Nether. Ok. Power Core. Ça, est-ce qu'on a tout d'autocraft? Ouais, on a déjà tout d'autocraft ici. Le bronze. En vrai, le bronze, on aurait pu le faire passer par là. Ouais, non, on va le faire par ici. Bah, pour pas pour le peu qu'on en utilise. 256K, ok. Lumium. Lumium ici. Signalum. Et Lumium Glass. Electrum. Underium, ça très très utile. D'ailleurs, l'Underium, il y aura le Diamond Dust à auto. Je pense que je passerai par un Crusher. Je dois avoir un Crusher quelque part. Oui, j'ai un crusher quelque part. J'ai un crusher qui est par ici. Crusher. Si je fais ça. Si je fais Diamond Dust. 35. Si je lui en demande 10. Est-ce qu'il fonctionne? Fonctionne pas? Bah. Qu'est-ce que c'est que cette carabistouille? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette carabistouille? Peut-être mal setup, hein. Crusher. Ah, mais il y a du biofuel dedans. Pourquoi il s'extracte pas, ce débile? Parce qu'à la base, je l'avais mis que peut-être pour le biofuel. Le biofuel? Crusher. Crusher, ah bah oui, mais le crusher il extracte rien du tout. Alors le crusher, s'il extracte rien, il va vite extraire parce que moi je te le dis. Tac, et là, ah bah parfait, voilà, nickel. Hop, ça, on referme. Ici, ici et ici, voilà. Comme ça, c'est tout bon. Retournons à nos affaires. Donc Diamond Dust, c'est fait, ce que je disais. Donc là, on en est au Signalum Glass. Ok, et là, on sera pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les Induction Smelter, est-ce que je les vois ici? Induction Smelter, ouais. Alors, on va mettre un ici, un ici, un ici, et les autres choses là. Tac. On va essayer de disperser un peu la chose, comme je le disais, en les catégorisant. Donc ça, ça se fait ici. Les verts se feront là. Et ensuite, ça. Ok. Je suis en train de me dire qu'on pourrait avoir un problème, mais que ce problème, on peut le résoudre facilement. On va tester. On va tester ça. Alors, où est l'induction smelter avec les lingots? C'est celui-ci. Par exemple, si on regarde le bronze. Le bronze se fait avec du copper et du tin. Ok. Et l'invar se fait avec... Non, on va prendre un truc qui se fait avec trois machins. Le signalum. Donc, si je lui demande du bronze. Si je demande 10 de bronze...
Et en même temps que je lui demande du signalum, start, là, ça pose problème. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre en blocking mode. Ah non, ça marche pas. Attendez, on va annuler les deux crafts. Cancel, cancel. Je récupère ça. On va retester. Si ça ne marche pas, j'ai l'autre solution du lock crafting. Donc, qu'est-ce que je disais? Bronze. Je lui en demande 10. Signalum. Je lui en demande 10. Start. Ah, ben voilà. C'est ça qu'il faut faire. Donc là, on se met en blocking mode. Blocking mode. Là, il est mis. Blocking mode. Là, ça pose pas de problème. Et comme ça, au moins, là, on n'a plus du tout de problème et ça fonctionnera très bien. Nickel. Donc là, dès que ça va me finir ça. Dès que ça va me finir mon bronze, vous voyez, il me les renvoie directement après. Hop, il y va petit à petit. Et là, une fois qu'il a terminé ça, il passe au signalum. Ouais, il passe au signalum. J'étais en train de dire pour voyager du copain, mais non, c'est vrai que le signalum est... Et le truc, voilà. Donc ça, c'est nickel. L'induction smelter, c'est... Terminado. Ça on range. Enfin, on supprime. Maintenant. Maintenant j'ai des multi-cerveaux presse encore à refaire, ce que je disais donc. Ça c'est fait aussi. Tac. Multi-cerveaux presse. Il me faut. Alors c'est lesquels que j'ai mis. Il me faut les wires, donc il m'en faut déjà un. Les gears. Alors les gears. Oui. Oui, 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 non, oui, oui, lequel que j'ai pas mis? L'émeraude? Ouais, l'émeraude elle sert à rien. En fait je regarde celles qui servent et celles qui servent pas. Par exemple vous voyez la nickel gear elle sert à rien. Bronze elle sert, Electrum elle sert. Invar elle sert, Constantan elle sert, Signalum elle sert, Lumium elle sert et Underium elle sert. Ok, donc ça on a ça en gear à faire. Ce qui nous fait deux multi-cerveaux presse. Donc on peut déjà, multi-cerveaux presse, on peut déjà en faire trois. Qu'est-ce qui manque? Smooth Stone, rien de grave. Stone. 1, 2, 3, 4, 5. On fera l'affaire. Hop. Tac. Ça, on récupère. Et là, maintenant, multi-cerveau presse. Fais-moi en 3. Pattern. Fais-moi en 3. Ça c'est parti. Ensuite pipili pipou. On va faire les patterns. Donc gear, je vais déjà récupérer ceux que j'ai. Ils sont là. Donc qu'est-ce que j'ai? Tin. On supprime. Copper. On supprime. Netherite, on supprime. Diamond, on supprime. Gold, on supprime. Iron, on supprime. Quartz, on supprime. Et c'est lequel ceci? C'est le Constantan. On supprime. Maintenant, ça. Tac. Ok. Ok. On va faire nos patterns. Prend du temps quand même à auto. Mais c'est super satisfaisant quand tout est auto après. Plus de problème. Voilà, ça c'est fait. Pour faire les gears, il va me falloir les gears machin là. Du coup, il me faut les base augment. Base augment, du coup, qu'est-ce qu'il va m'en falloir? Deux base augment.
Donc ça, si je lui en commande 2, il est capable de me le faire. Maintenant qu'on l'a auto. Cable. Pattern. Ça, on va le poser pour le moment. Il est en train de me faire quoi? Les Leached Metals. Regardez, là, il est en train de me faire ça. Et là, je vais obtenir bientôt mes augments. Slash back. On va aller au niveau d'immersive. Et au niveau d'immersive, maintenant que j'ai ça, je peux mettre ça ici, normalement. Ouais, c'est ça. Base augment. Pas 3 que je lui en ai demandé. Non, c'était 2. Gear. Ah. Je stack pas. C'est terrible. Calculation, ça on va le ranger. Tac, ok. On va aller là. Et on va faire la suite. Tout ça, c'est plein. Nickel. Maintenant, deuxième ligne. Hop. Paf. On va mettre ça là. Ça ici, pareil les gears, on va essayer de les opti, genre ça, ça. Ok. Bon, viens là toi. Ok. Smart cable. Comme ça. On est bon. Oui, ah, ils sont là. Parfait. Ici, ce que je disais donc, wire. Wire qu'on va mettre là. Ça, il n'y a pas d'énergie. C'est normal. Cable. On va pouvoir le relier ici. Que ça se fasse, il est en train de me faire... Ah bah le steel rod. Oh. Marche bien du coup. Tac, cable. Ça on va l'amener là, ça on va l'amener là. Là c'est bon, il y a de l'énergie. On est pas mal. Du coup, ce que je disais donc. AE2, on va les récupérer maintenant. C'est les wires. On peut récupérer de... Bah, d'ici aussi. Tac. Et on va pouvoir les mettre juste là. Normalement, c'est pas très loin. Ils sont où? Ah non, c'était tout en bas. Voilà, nothing. Non, oui, c'est nothing. Ça va ici. Parfait. Parfait, parfait. Il m'en reste un. Ça, c'est bon. Lapis gear, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a les compressed. Alors... ça, je vais pas tous les regarder un par un. Pas tous les regarder un par un parce que la plupart servent à rien. On s'en sert de quelques-uns, mais la plupart servent pas. Donc, j'ai pas envie de m'embêter pour le moment. Ceux que j'aurai besoin, je les ferai. D'ailleurs, il y en a que j'ai déjà mis en prod qui sont là. Voilà. Ouais, ceux que j'ai mis en prod, c'est déjà ceux-là. Et après, je verrai bien si jamais j'en ai besoin d'autres. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est multi-cerveau presse. Est-ce que j'en fais 2? Attendez, je regarde vite fait comme ça quand même. Preset titanium.
En vrai, bon, on va en faire un. Automatiser le matter infuser. Le matter infuser. Celui de laser ou... Ah oui, laser, si oui, oui, je l'ai. Il est là. Tac. Ils sont juste ici, mes matter infuser. Comment j'ai fait ça? J'ai mis en input-output ici dans la configuration, en cliquant ici sur l'auto-extract. Et derrière, je me suis mis en log crafting ici. Et là, ça m'envoie les items un par un. Donc, par exemple, si je... si je lui demande une Flix Pearl, si je fais Flix Pearl, start, 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 là, ça m'envoie les trucs pour faire les Flix Pearl. Et après, il faudrait que je mette des speed upgrades pour que ça aille encore plus vite. Mais en vrai, ça, c'est le plus simple à automatiser. Hein, le Flux Infuser, c'est une machine, bah, c'est un peu comme, comme les inductions smelter et tout, là, que je suis en train d'automatiser. Ah ouais, 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 non, mais ouais, ouais, au début, mais c'est ce que je disais à chaque fois, hein, vivement les autos, et maintenant qu'on les a, c'est plutôt cool. Multiservopress, il est en train de me faire je ne sais quoi, les gears, ok, on va voir, normalement ça devrait bien marcher, hein. Il ne devrait pas y avoir de problème. On va se refaire un pattern, et après on va se lancer sur une autre auto, qui est les Flux Coils. Alors ça, rien de très compliqué, parce qu'au final, il nous faut juste un magma. Il nous faut juste un magma. Les gears sont drôlement longs, j'ai l'impression. Ah, mais je sais pourquoi c'est hyper long. Je les ai pas set up. Regardez. Voilà, pour ça que ça risque d'être long. Je les ai pas set up. Du coup, ce que je disais, c'est que ça, il me faut un flux d'encapsulateur. Alors, est-ce que je les ai auto, ça? Non, flux d'encapsulateur, j'ai pas auto. On va pouvoir lui réclamer ça. En attendant, je vais récupérer celui-ci, comme ça, ce sera fait. On va pas oublier auto-extract, input-output, ça, ici. Et à l'intérieur, il va me falloir, par contre, le compressed die comme ça. Et donc, il me refait un base augment. Start, ok. Qu'est-ce qu'il me fallait? Flux d'encapsulateur, il me manque quoi? Il manque les spouts. Copper casing. Le stripped. Oui. Copper plate. Non, c'est pas le copper plate, c'est le copper ingot qu'il me faut. Ouais, c'est ça. On va en faire quelques-uns. Voilà. Je peux pas faire ça, c'est dommage. Après, là, je le fais à la main, mais je pourrais très bien le mettre sur mon déployeur. Enfin, mon... Hop, voilà, ça fera l'affaire pour ce que j'ai besoin. Donc, j'ai dit un spout, il m'en faut un deuxième. Tac, nickel, et comme ça j'ai mon fluide encapsulateur ici, ça c'est fait, et il me faut le magma crucible, hop, je vais me lancer ça, là regardez, oh, ça a l'air de bien fonctionner, c'est nickel, fluide encapsulateur on va le mettre juste ici, je vais prendre avec moi un export bus aussi, pattern, ok, redstone, dust, ça, ça, on va prendre un smart cable qu'on va mettre ici, avec un export bus au-dessus, là, redstone, ok, magma crucible, qu'est-ce qui me manque? J'ai pas demandé ça. Bien le bonsoir. Salut Peps. Non, mais l'instant, c'est avec quoi? C'est juste ton excavateur d'immersif. Pour l'instant, ouais. Mais attendez, mais je suis débile ou quoi? Ah non, regardez, il est en train de me le faire. C'est parce qu'en fait, j'ai connecté les choses et ça a disparu.
Ok, c'est bon. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Magma Crucible, on va pouvoir le récupérer. Je vais pouvoir le mettre ici. Là, regardez, si je fais input, ça devrait m'envoyer de la redstone. Cette redstone-là va se faire fondre. Ouais, ça m'a... attention, j'ai deux productions de ressources. J'ai les, j'ai les ressources, on va dire, primaires. Genre le copper, etc. Ou ça, t'as une vidéo sur ma chaîne YouTube qui le montre. Ça, je le farm avec... avec cette chose-là, le Veridium. En fait, une grosse farm create avec des ressources comme ça qui te donnent du raw copper plus des raw copper nuggets. Et ça, après, quand tu les mets ici, tu obtiens de la clé plus du copper nuggets. Donc ça, avec ça, pareil pour l'iron. Bah, tout ce que j'ai plus de 2 millions, là, ça se farm comme ça. Les autres avec les excavateurs, pour l'instant, c'est l'uranium, l'uraninite, le silver. Tu vois, c'est des choses que j'ai pas encore. Là, j'ai remis en place l'osmium aussi. C'est en train d'être farm. Mais ça arrivera prochainement. Ok, donc là j'ai du destabilize redstone. Ça je vais mettre en output ici, auto eject. Là je vais dire input, auto eject et input output au-dessus. Comme ça, là ça m'amène de la redstone. Et sachant que ça, ça me demande de la redstone. Ça c'est de la redstone, ça c'est de la redstone, ça c'est de la redstone. On peut faire ces autocrafts là. Tac. Là, je lui dis ça, ça se fait comme ça. Ça, on s'en fiche. Ça, ça se fait comme ça. Ça, on s'en fiche. Ça, ça se fait comme ça. Paf. Et ça, ça se fait comme ça. Nickel. Ça, on peut virer, 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 ça, on peut virer. Je crois qu'on est pas mal au niveau de mes petites autos pour le moment. Hein. Faut juste que je le trouve maintenant. C'est qu'il est caché. Là. On va tester tout de suite. Si je lui demande par exemple, Flux, il me reste combien? 245, ça devrait aller. Cerveau, 188. Ah, c'est vrai que j'en avais refait masse. Si je lui en demande 1, normalement ça devrait se faire. 189. Bah nickel, ça marche bien. Ok. Normalement, là, on a auto tout ce que je voulais auto sur thermal, je veux dire par là. Maintenant, maintenant, je suis en train de voir aussi ce que je regardais juste avant de commencer le live. Là, j'ai automatisé ça, c'est tout ce que je vais avoir besoin pour le moment, sachant qu'ils pourront être augmentés au fur et à mesure. Combien de channels on a bouffé? 14, je vais le marquer sur mon petit fichier. 14. Voilà, trop bien mon petit fichier pour mes règles de P2P. Ce que je disais donc, c'était. Attendez, il y a juste quelque chose. Paf. Paf. C'était de... je sais plus. Si, ça y est, Mystical. J'ai complètement paumé la chose. C'est que Mystical, il faudrait que j'avance un petit peu aussi là-dessus. J'avais fait un avancement, puis d'un seul coup, j'ai arrêté. Sachant que ça marche bien. Hein. Si je marque Mystical sur toutes celles que j'ai, 49K, etc. Et pas 49.3. Les essences, tout ça, j'en ai pas mal. Donc ça marche nickel. Nickel. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de me dire, mais l'Inferium. Inferium Gemstone, est-ce que ça va me servir? Inferium Seed. Cela, je m'en tape un peu. Il y a juste l'Inferium Seed et encore, je me dis que je peux les faire à la main. Tout ça, les Inferium Seed, je vais en faire quelques-unes et après, après c'est tout. Les Air Fire, ça, je les ai déjà. Et ici,
Ça, je m'en ferai, je vais pas m'en faire. Ouais, non, et ça, j'en aurais pas besoin. Donc, ouais, non, c'est pas utile. Donc, non, oubliez. Mais ce que je disais, sur Mystical, en fait, on va arriver là au stage Prudentium. Le stage Prudentium, ça, c'est pas un problème parce que normalement. Prudentium. Ça, normalement, ça fonctionne. Normalement, je l'ai autocrafté. Donc ça, on pourrait le faire. Par contre, vient la difficulté d'après. Et regardez, Prudentium Seed, ça j'ai fait. La difficulté d'après, c'est quoi? La difficulté d'après, c'est de faire le Tertium Seed Base. Le Tertium Seed Base, pour ça, il me faut le Mixed Tier 2 Essence. Donc ça, il me faut faire des petits Mechanical Crafters en auto. Donc ça, on pourrait mettre, limite les mettre dedans aussi. Parce que j'aurais celui-ci qui demande 7. Celui-ci... Et on demande 6. On était où là? Celui-ci en demande 8. Donc en fait il y aurait 3 autocraft avec create en plus. Ça sera, alors ça n'ira pas dans la compact. Parce que ça ira dans les zones create. Parce que j'ai toute ma zone de rotation dans create. J'ai pas envie de faire un truc dans la compact juste pour ça. Mais ouais, il y en aura 3 autocraft et qui prendra pas beaucoup de place. Donc ça je sais déjà où je vais les mettre. Salut The Marauder. Donc là, on est plutôt pas mal. Au niveau des Mystical, qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant que pour faire le Tertium, il va me falloir bah, les 7 graines. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc c'est toutes les graines. Donc on va pouvoir y regarder peut-être un petit peu. Nature Essence. Comment on l'a fait? Enfin, Nature Seed, je veux dire. Nature Seed, c'est Nature Agglomeratio. Ça se fait comme ça. Pumpkin. J'ai pas de pumpkins. Et moi, j'ai pas de pumpkins. Pas de pumpkins. Comment ça, j'ai pas de pumpkins? Mais si, j'ai des pumpkins. Je l'ai pas relié à Applied, ça. Pas relié à Applied, ça. Bah si. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouh. Voilà, voilà. Trouvé. C'est pas relié, ça. Nickel. Donc, ça, je disais. Combien il m'en faudrait? C'est 9. Prudentium. Et 128 quand même. Tac. Ok. Je vais pas tous les faire ce soir hein, parce que Mystical, c'est ça quand... quand il y a des autographes qui se lancent et que j'ai besoin de temps. Prudentium. Prudentium. Faire un stack. Même plus. Non. Bon, faut 9 des graines, j'ai dit. Ah oh, non, 9 x 4, non. Non, 9 x 4, 36. Voilà. Prudentium, il est en train de se faire. Et on va pouvoir aller faire ça au niveau de Pneuma. C'est bien 4, hein. 4, 4, ok. Tac, 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 tac. 7, 8. Nice, Noli. Tac. Ça va me faire mes graines. Je vais check un truc aussi. Je m'en souviens plus. Est-ce que j'ai déjà setup toutes les machines ou s'il faut que je fasse des autocrafts? Si je fais ça. Hop. Là, j'en ai une de vide. Elle est vide celle-ci. Bah, tout simplement parce qu'elle est pas setup. Elle est vide, voyons quelle question.
Quelle question? Ok. De toute façon, j'ai déjà les plantes gâteurs, etc. Donc ça, c'est cool. Donc là, on va pouvoir faire nature. Nature et découverte. Et là... Tac, là ça va les planter. Ça va commencer à fonctionner. Avec ce truc là qu'on avait fait. Là ça va me faire des natures nature essence, il faudra que je les mette juste dans un drawer. C'est ça? C'est ça normalement. Je vais ici. Nature essence, parfait. Je vais refaire aussi du red fertilizer. Marche bien ça. Ah. Voilà. Pas besoin que ça pousse plus vite que ça. Je pourrais le booster un peu plus en mettant des comment ça s'appelle? Bah les trucs de Mystical, où il y a un truc aussi de Botania pour booster. Il y a aussi le fertiliseur d'Industrial Foregrowing, mais c'est clairement pas le but. C'est clairement pas utile. Au vu de... Ça replante pas? Ah oui, non, ça renvoie pas. Ça renvoie pas mes graines parce qu'il faut que je le setup. Je disais donc, ouais, c'est pas utile au vu du fait que ça produit sur serveur. Donc, c'est pas utile du tout. Non, mais les pads of fertility, ça sert à rien. À part si tu veux être un gros tardos, avoir une farm qui te spamme la tronche. Mais sinon, c'est clairement pas utile, je trouve. Personnellement, hein. Après, si les gens sont en solo, ok. Si les gens sont sur serveur, je trouve pas ça utile. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Input. Input. Input, input. J'ai mis le bon. Attendez. Attendez, attendez. Ah oui, ça extract d'ici, ça doit input. Donc oui, ça va. Normalement, ça va pas ici. Tac, tac, tac. On va le remettre, on va faire des tests. Tac, tac. Mon setup, j'avais mis en mode t'as une priorité de 10 qui t'insère dedans. On va voir ça tout de suite. Ça va pousser. Déjà, t'as vu la vitesse là? Oui, il a blindé en lilypad, mais parce qu'il joue. Je sais pas s'il est sur serveur ou pas, mais je trouve vraiment pas ça utile. Hein. Personnellement, j'ai juste du Red Fertilizer et l'Insenium Watering Can qui est juste ici. Avec juste ça, t'as vu la vitesse? J'ai juste fait des petits blocs de 3 par 3 et j'ai 49K d'essence. Et encore, c'est parce que c'est mon drawer qui est full. Ah, bah c'est bon, ça repousse bien. Donc, ça, c'est fait. C'est utile quand t'es en solo. Ou alors quand tu mets juste une seule graine, limite. Ou alors, ça peut être utile. Juste pour l'Inferium Essence. Ouais, non, mais les ressources de dingue. Non, 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 non. J'ai fait la bêta. T'as pas besoin des graines pour finir le mode pack. Genre, là, si c'est pour avoir l'Inferium, là. L'Inferium Essence pour faire les choses petit à petit pour pouvoir. Pour pouvoir faire, comment dire ça, les trucs créa, là oui, tu peux mettre des lily pads. Ou alors tu fais une ferme avec ton wither. Moi personnellement, comment j'ai farm mon Insenium, je les farm juste avec des wither. J'ai fait un setup full auto pour farm de l'Insenium, je l'avais fait en live. Et ça marche bien. Et le compressed steel, c'est pareil. C'est pareil, Gugus. C'est que là, regarde, t'imagines, si ça farm. Ça tourne sur serveur 49K, et encore, comme je le disais, c'est parce que j'ai pas maxé
mon drawer, le drawer, tu peux aller jusqu'à du 2 billions et des choses comme ça. Et tu fais énormément de compressed seal. Mais oui, non, mais pourquoi pas, je suis 256 millions, mais si tu le fais au fur et à mesure, ça matche bien. Ça a été testé, hein. Ça a été testé pour qu'on puisse terminer ce pack avec les ressources nécessaires. Mais après, comme je disais, hein, chacun joue comme il veut. Moi, personnellement, je trouve que c'est inutile. Après, moi, je suis pas tout... Enfin, je suis pas tout seul sur le serveur. Je pense aux autres gens qui jouent dessus. Quand t'es tout seul sur le serveur, oui, tu peux te permettre de mettre des lilypads of fertility. Ça, c'est fait. Ah ouais. Ensuite, N-Seed. N-Seed, N-Seed, N-Agglomeration. Ok. On va refaire un AE2. Mais oui, je peux les utiliser, hein, dans tous les cas. Ça, c'est une private joke. Personne ne sera au courant de ça. Ça, je vais en refaire 9. Il manque quoi? Inferium Seed Base. Ah, les Inferium Seed Base, je les ai pas autocraftés. Ah, mais oui, je sais pourquoi je les ai pas autocraftés. Inferium Seed Base. Ça se fait dans ça. Ça, je l'ai pas autocrafté. Faudrait que je l'autocrafte. Si je mets un petit pattern. Comment je peux autocrafter? C'est vrai que je l'ai pas fait. Encore. Est-ce que ça marche comme ce que j'ai en tête? Ou est-ce que ça ne marchera pas? Texture. Texture. Verited. Ok. Est-ce que si je fais ça, ça fonctionne? Pas un câble ME là, juste pour tester vite fait. J'en ai un là. Et plus tard, on fera une vraie auto avec une zone crate qui est prévue pour mettre du full auto. Je vais juste faire un truc en attendant. Ça se fait comme ça. Inferium. Ça les envoie bien dedans. Maintenant, il faut que je les récupère. Pour le récupérer... On va faire un truc sale pour le moment. Quoique. J'ai obligé de faire que du sale. Hein. Ah, network booting. Okay. Du coup, Prudentium. Start. Ah. Ah. Cancel. Inferium. Voilà. Elle était sûre. En vrai, je sais comment faire. Comment ça s'appelle? Dépôt. Quel? Faire un truc, ça c'est plus pour l'esthétique. Voilà. Prudentium.
Prudentium. 2. Start. Nickel. Nickel. Après celui qui... J'ai de la cobalerite dans ma base. Hein? Cobalerite? Ah oui, mais dans ta base Nether. J'étais en train de bugger. Lucie raconte. Il vient fou. Et il me faut pur pur et chorus fruit. J'ai pas de... pas mis en prod ça, moi, par exemple. Et parce que c'est que dans le garden cloche. Il n'y a pas dans le... Ah si, botany. Chorus. J'ai pas de chorus. Comment ça se fait? Flash home. Ah oui, j'ai pas du tout de chorus. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je n'ai pas mis en place. En effet, et bah c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller en chercher puis on va le mettre en place. Au mieux tard que jamais. Quoi c'est? Ah non, je sais, tiens. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un toit ici. Portail End. Et lui il est toujours là depuis le début de l'aventure. C'est avec les permissions. C'est suivant les rôles qu'on a. Mais c'est du... C'est avec FTB Ranks. Ah bah cadeau. Tu peux rajouter des hommes et après t'as des commandes, je crois que c'est FTB... Ranks... add... Tac. Non c'est pas ça. C'est pas FTB Ranks, ça doit être FTB... Teams, partie, je sais plus. Et je les avais mis sur le serveur Discord. Il y a toutes les commandes à un moment donné. Non, pas create. Non, c'est. Je les ai mis sur le serveur Discord. Ça, c'est sûr, parce qu'il y en a qui me demandaient. C'est la même chose que pour les. Que pour l'ajout de. De comment dire ça. De claim. Hop, on va se récupérer un peu de ça là. Ouais, c'est ça. Hop. Ça nous en fait combien? Un peu plus d'un stack. Ça sera suffisant, comme ça on pourra faire nos crafts et on pourra en lancer. Je vais en récupérer un peu. Tiens, de la prosperity. C'est vrai que j'allais dans l'overworld en farm, mais en vrai... L'end, c'est banger pour en farm. Ah, tu peux faire ça, ou alors t'as un fichier qui est FTB... que je me rappelle, essentiel. Où là tu peux te rajouter des hommes aussi. Si t'es sur serveur, faut bien stopper ton serveur. Si t'es en solo, faut bien quitter ton jeu. Tu fais les modifications. Et ensuite t'auras le nombre de hommes que t'as mis dedans. Ok. Donc ça, on va en prendre un avec moi. Il me faut quoi? Il me faut de l'endstone. On va mettre ça ici. Ça farme qu'un truc. Hein. Non, ça farme deux trucs. Si ça farme deux trucs, ça va de ce côté-là. Là ça tourne.
Si je fais ça et si je le remets là, est-ce que ça va bien dans ce drawer là? Non. Que j'ai encore oublié de faire quelque chose. Voilà. Voilà, là, c'est mieux. Nickel. Chorus. On devrait y avoir une mise à jour semaine prochaine du modpack normalement. Vu que je suis un peu je suis seul à bosser sur le modpack, ça prend un peu plus de temps et comme je le disais en début de live, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, etc. Donc ça prend tout de suite un peu plus de temps. Mais normalement il y a une mise à jour du modpack qui est prévue pour semaine prochaine. Ça devrait aller. Qu'est-ce que je disais? Chorus. En pur pur. 24, 28, 32, 36. Ça, paf, si je fais ça, 36, c'est fait. Prudentium. Merci Panini Sexy pour l'abonnement de niveau 1. Pour 3 mois d'avance. Bienvenue à toi. Prudentium, 36. Généralement, pour la mise à jour, j'ai préparé pas mal de choses. Donc, ça devrait arriver, ouais, ce milieu semaine prochaine, début semaine prochaine, fin semaine prochaine. Mais, normalement, semaine prochaine. À part si, si j'ai un accident. Je peux pas. Mais normalement... Moi, ça devrait aller. Tac. Allez, zou. End steel, ça va être fait. Nether, qu'est-ce qu'il va me falloir? Nether agglomeration, là. Je peux refaire Prudentium. Alors, attendez. On peut pas faire genre 1, 2, 3, 4, 5. Ça voudrait dire 45. Oh, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, c'est beau. Start. Comme ça, on lance tout d'un coup. Il m'en faut 36. Ok. 36. 180. On va faire un peu de prudentium, non, ça devrait se faire vite. Là, j'ai l'end steel. Non, end seed. J'ai déjà marqué end steel seed, mais non. C'est end seed, tout simplement. Le prudentium, il est en train de se faire petit à petit. Là, il est en train d'en process. Après, ce sera à lui. Ah, ça, c'est beau de voir quand même tout s'autocraft. Je vais lui mettre ça dans les dents, déjà. Obsidienne, ça se fait comment, ça? Molten obsidienne et obsidienne ingot. Je sais plus si je l'ai auto, ça. Ah, mais si! Ça c'est encore plus beau. je vais pouvoir lui lancer directement là. Salpeter. Potassium nitrate dust. Ok. On va regarder à ça après. 36. Ok. Hey, donne-moi mes 9 seeds là. Enfin, mange-toi ça dans tes dents là. 9 seeds, paf! On va déjà les poser ça le temps que ça craft mes autres trucs. C'est tellement un plaisir quand tout est autocraft. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ici même, on va mettre ça. Ça plus ça. Et là. Insert. Normalement je me trompe pas. On verra bien si ça me les renvoie pas ici. Ça pousse. Ça replante. Ça va replanter. Ça va replanter. Ça va replanter. Ça va replanter. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça marche nickel. Donc là, ah mais attendez, mais il faut que je fasse un truc aussi là. Oh. Attendez, on va mettre déjà.
Nether. Nether Seed. Ici même. Tac. Voilà. Ça se craft dans quoi le Prudentium? Prudentium essence dans le Metallurgic Infuser. J'ai une question. Est-ce qu'il y a encore des gens dans le chat? J'ai une petite question par rapport au live et aux rediffusions surtout. Est-ce que... Alors... Ça, c'est pour l'instant, c'est juste une étape question. Il n'y a pas de... Ça va se faire. C'est question. Pour les rediffusions, est-ce que... attendez, je regarde si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est lequel? Bougez pas, je cherche... quel est ce machin là qui est connecté? Alors pour m'aider un petit peu, je me pose la question dans quelques instants. Bougez pas, ça va bien se passer. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Je récupère ça. Je lui repose et j'arrive. Oui, du coup, pour les rediffusions, est-ce que vous préféreriez voir la rediffusion complète? Donc que je poste sur YouTube la rediffusion complète, ou alors que j'essaie de condenser la rediffusion. En mode je supprime les parties un peu reloues et que je monte juste ça. Sachant que moi ça me prendrait beaucoup de temps, et c'est pas sûr que je le fasse. C'est Spiro. Par exemple, ici, je zapperai tous les moments de craft et je mettrai que quand je pose les... Enfin, que tous les moments un peu relous, etc. Ça me prendrait pas mal de temps, je vous l'avoue. Est-ce que j'ai le temps pour faire ça? Je ne sais pas. Et je veux juste savoir. Ça, c'est fait. Nether, c'est fait. On va vite fait faire un slash home à eux. On va refaire des drawers. Des rowers. Et c'est du agon. Et du ism. Du ism. Laissez la rediff en entier. Ouais, j'avoue. J'avoue que je m'embêterais pour... Bon bah comme ça, j'ai la réponse. Merci bien, c'est ce que je voulais savoir. Hop, ça en range. Je récupère ça. Je récupère ça, on va lock. J'avais pas lock celui-ci. Ok, tac, ça on range. Est-ce que j'ai des upgrades de drawer? Functional, il me faut des void. Des golden upgrades pour l'instant. Je peux faire les autres upgrades? Functional. Je sais pas tout crafter cela. Ah non, je peux pas parce que pas pour l'instant. Je vais mettre des comme ça pour le moment. J'ai dit combien il y en avait? 7. 1, 2, 3, 4, 5. Chest. Spruce. Tac. 5, 6, 7. Ok. Et ça, 3, 4, 5, 6, 7. Comment on rage? Ah, on rejoint le serveur. Et il faut être sub, et une fois que t'es sub, tu vas sur mon Discord, dans le salon sub, dans les messages épinglés,
T'as un petit fichier pour faire une petite candidature. La candidature, ça, de toute façon, vous êtes tous pris hein, à peu près, sauf ceux que j'ai blacklistés. Mais la candidature, c'est juste pour savoir un peu vos qui vous êtes entre guillemets, hein, vos motivations et puis avoir vos informations, notamment pseudo Minecraft, etc. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, récupération de ça et de ça. Ça, ça. Et ça, nickel, ça c'est fait, il nous reste maintenant obsidienne, start, sulfure, comment on fait le sulfure? Le sulfure c'est avec ça, ah, je pourrais en faire ça, ah si ça je pourrais en faire, ok. Et l'améthyste c'est comment? C'est pareil, c'est de molten améthyste et ça. Ok, d'accord. Obsidian seeds en train de se faire. Et ben on va passer au salpeter. Il me faut ça. Donc il m'en faut combien? Il m'en faut 4, donc il m'en faut 36. 36 trucs comme ça. Non. Euh, 288 comme ça. On a dans le niter. Beaucoup de niter. C'est pas énorme. Après, je peux en récupérer masse. Ok. On va faire des blocs. C'est des blocs de toute façon qu'il va me falloir après. Non. On va faire. Il y a 30 blocs. Ok, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc 280 000, j'ai dit. Hein. Voilà. Oula! C'est vrai que j'avais process 2-3 trucs. J'avais eu besoin. Ça, on va le ranger pour l'instant, je le traiterai après. Il va m'en falloir beaucoup quand même. Ça fait à peu près 188, 64, 128, 4 stacks et demi. Pourquoi il va m'en falloir Miner. Digital Miner, il est là. Gate. C'est ça là. Config, new filter, tag, niter. Forge.orz/niter. Save. Tac. Start. 86. Ok. Les gates sont en train de se faire. Ça, je peux poser. Je suis en train de me faire quoi là? Ok. Ça va se terminer. Hop, je veux juste une petite gate. Hop, énergie. C'est parti. Ça va me refaire un peu de niter. Et ça, du coup, ça ensuite on peut le poser là. Donc, ça ici, ok. Et ça, il m'en faut 36. Oui, pas de problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a moyen d'en faire. un stack en plus. Il m'en manque 2,5 stacks, je dis.
Voilà, parfait. Il y en a 4. On va dézinguer là pour avoir. Pour avoir ça. Comme ça, on peut les ranger. Ça. Non, ça va pas là. Ça, ça se range là. Ça. Voilà. Prudentium. Hop. 36 qu'il m'en fallait. Ok. Là c'est terminé. Tac, on le récupère. On le range. Ça fera l'affaire. Ça je vais le ranger aussi. Là je vais le ranger, je disais donc. Regarde dans le petit trou. Ça c'est ça. Ça nous fait les obsidian seed et les salpeter seed. Ok. Deux nouvelles seeds à mettre en place. Et il nous restera plus que ces deux là à faire. Donc, Opsi. Et là, c'est bon. Au milieu que il y a de la place, ouais. Opsi, on peut le supprimer. Moi, j'aurais pu, je pourrais les laisser. Hein. Niter. Ok. Parfait. On va laisser ça pour te changer rien. Ça c'est fait. On va pouvoir récupérer ça plus ça. Ça plus ça. Et il nous reste l'améthyste et le sulfure. Ok, alors le sulfure. C'est celui-là qui va être le plus relou. Sulfure, il me faut ça. Est-ce que j'ai déjà du sulfure? J'en ai 14K, ça devrait le faire. Ça. Hydrogène, sulfurite. Combiner, sulfure et hydrogène. Sulfure, hydrogène. Ok, alors attendez. 8 pour faire ça. Il m'en faut combien? 1000 millibuckets. Ok. On va prendre avec moi un petit tank. Liquifier, je crois que je l'ai. Je sais plus si je... Non, j'ai pas fait de liquifier encore. Ouais, j'ai pas fait de liquifier encore. J'ai un vague doute. Non, j'ai pas fait le liquifier encore. Il m'était pas utile. Mais là, il va m'être utile pour le coup. Comment on le fait? Ok. Les kefirs, ça se fait comme ça. Les kefirs, ça se fait comme ça. Je vais mettre ça. Ici. Ça, c'est mon petit tips pour les faire facilement. Hop. Voilà. On va patienter. Sulfure, hydrogène, ça j'ai. Sûr.
Si j'ai pas de sulfure, bah, je pense que... je pense que je pourrais en faire. Alors déjà dans le nitère, il y en a. Surtout dans le sulfure. Hein. Dans le sulfure, il y a du sulfure. Le saviez-vous? Il est en train de faire les plates. Hop. Les plaques qui sont un peu plus longues, mais quand ça sera upgrade, ça ira beaucoup plus vite. On va aller là. Et normalement, on devrait récupérer prochainement. Cessamment sous peu. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire sur les modpacks Chroma Endless. En fait, mon objectif futur, c'est d'avoir vraiment trois types de modpacks différents. Donc, il y aurait Chroma Endless et Chroma Sky qui seraient... Enfin, Chroma Endless, où il y aurait vraiment une grosse continuité comme ça, avec peut-être un peu plus de complexité ou des choses comme ça. Chroma Sky 2 qui, lui aussi, aurait une continuité... Enfin, Chroma Sky 2... Chroma Sky, je veux dire, la Chroma Endless qui aurait donc cette continuité comme Chroma Endless 2. Chroma Sky qui serait à peu près comme Chroma Endless, mais en Skyblock, entre guillemets. Et ensuite, on aurait les Chromatech. Où les Chromatech, j'aimerais bien les dédier en mode test de... Comment dire ça? Test de mode, un kitchen sink en gros. Ce serait de mettre plein de modes, de faire quand même des craft custom pour peut-être de l'endgame ou des choses comme ça, mais où les modes seraient pas trop modifiés. Où on pourrait faire un peu ce que l'on veut. Ça, c'est un peu mon but. Aider les tirs avec les mechanical core. Un peu genre ATM. Ouais, ATM, c'est du... Oui, voilà, ATM, c'est du kitchen sink, ouais. Hydrogène, sulfure. Hop. On va prendre ça. Sulfure, est-ce que j'en ai? Sulfure. Avec 64? Bah, c'est pas grave. Ça se... Oui. J'ai fait un stack, je sais pas si ça va suffire. Bah, les ATM sont pas difficiles, hein, parce que tu peux avoir accès un peu à tout. Et en fait, là, si vous voulez savoir un peu tout ce qui se passe, c'est que j'ai regardé un petit peu pour développer mon prochain chroma, qui sera pas un chroma endless pour le coup, sur des dernières versions de Minecraft. Et en fait, à chaque fois, je suis un peu embêté en mode est-ce que je vais sur cette version-là, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui changent en plus. Donc j'y regarde petit à petit. C'est pour ça qu'il sortira clairement pas tout de suite, le futur modpack. Parce que je fais beaucoup de tests. Je me dis est-ce que c'est la bonne version, est-ce que... Et en plus, sans vous mentir, je suis maintenant tout seul pour développer les modpacks. Donc ça me prend plus de temps. Ça me prend plus de temps parce que du coup, il n'y a qu'un seul cerveau qui va réfléchir au modpack. Et ouais, il y a le retour d'Under.io qui est sympa. Et Under.io, c'est sûr qu'il sera dans mon prochain modpack. Et du coup, ce que je disais, c'est que... Bah, par exemple, sur un modpack Skyblock, c'est plus complexe qu'un modpack Overworld à réfléchir, je trouve. Parce que du coup, faut bien voir si on a accès à toutes les ressources, faut voir comment on les génère, faut voir le pourcentage quand on les génère, avec quoi on les génère,
Enfin, y a plein de trucs à prendre en compte. Et du coup, oui, forcément, bah, sans vous mentir, il y avait un chroma, un nouveau Chroma Sky qui était en cours de développement. La team s'est entre guillemets un petit peu dissociée, la team Chroma, pour diverses raisons que je n'évoquerai pas. Et suite à ça, bah, moi j'ai supprimé complètement le projet. Parce que c'était pas dans ce que je voulais faire. Parce qu'au début, il y avait des idées de tout le monde et c'était pas forcément ce que moi je vous souhaitais faire. Sur certains points, si, sur d'autres points, non. Et du coup, vu que j'étais tout seul à la fin, bah, je me suis dit go faire mon propre truc. Et donc là, je suis en train de zioter pour changer de version de Minecraft et surtout trouver les bons modes. Il faut juste 9 des buckets. Ah mais oui. J'étais parti. Alors tu sais sur combien de buckets j'étais parti? Sur 36 buckets. Merci d'être là Gugus. Merci d'être là. Non, on n'avait pas fini. Moi je vous le dis, on était là jusqu'à demain. Eh ben 12, c'est parfait. Hop, on récupère ça. Le liquéfieur. On va le ranger. Je vais le poser là, je vais le laisser là. Voilà, il sera pas utile. T'en as 12, oui, voilà. Nickel. Donc, normalement, ici, il me reste... Ouais, il me reste un dissolution chamber que je vais pouvoir mettre à l'intérieur. Il va me falloir, du coup, pour faire ça, sulfure. C'est sulfure bloc. Ah oui. Alors ça, c'est un peu plus chiant. Sinon, je le refais en con... Ah ouais, mais chiant ça, sulfure. En fait, moi, j'ai ça. J'ai masse sulfure comme ça. Sulfure là, je l'aurais bien voulu transformer. C'est pas grave. On va refaire miner. Alors, il est toujours pas là, il est là. Gate. Config. Sulfure. Mais ouais, non, mais qu'est-ce que je prends un plaisir fou à développer des modpacks, par contre. Si un jour j'arrête YouTube, je pense que je me plonge uniquement sur la création de modpacks. Ça me plaît trop. Et stop. Sulfure. Ça, si je le casse. Voilà, c'est bon. Pour en avoir masse. Et après, il me manque encore beaucoup d'expertise sur certains points que j'aimerais bien faire. Mais ça va se développer avec le temps. Je n'en doute pas. Tac. Ça on range, c'est de sulfure. Il me faut le prudentium. Voilà. Tac. Donc ça. 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 Ok, on booste. Parfait. Tac. Et les trois derniers, il me manque juste ça. Et voilà, sulfure seed. Ça, on récupère. Super, on casse. Sulfure seed, c'est fait. Ça, je vais le poser ici. Je pourrais le retransformer avec un atomizer. Tac. Ça c'est fait, et maintenant l'améthyste. Alors l'améthyste, ça va me demander plus de choses, je crois. Il va falloir pas mal d'améthyste et je sais plus si j'en ai. Bah après pareil, on peut en trouver. Mais améthyste, je sais pas si j'en ai beaucoup. Ah si, j'ai des blocs d'améthyste carrément. Ah si si, j'en ai. Ça on peut en faire. Parce que ça il va me falloir donc le crystallizer. Crystallizer, ça on peut les lancer. Et émeraude. Tac, 1, 2.
de l'émeraude ici. On va pouvoir aller crush ça vite fait. Crusher, tac. Est-ce que j'ai une petite place quelque part? Ah ouais, mais là c'est chiant. C'est chiant ici. Ça, j'en ai plus besoin. Le saviez-vous? Ça, je pourrais le récupérer. Le Blast Chiller là, ça, ça peut bouger. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, je vais pouvoir le poser là. Water. Ok. Améthyste. Oui, ça va. C'est long. C'est long. Ok, c'est pas grave. En attendant, il va me falloir aussi du Molten Amethyst. Molten Amethyst, 800 mini buckets. Ça, ça m'en fait 400. Donc, il m'en faut. Ça fait 9 blocs. Oui, c'est 9 blocs qu'il me faut, non? Bon, je suis trop fatigué pour calculer. Magma Crucible, ça, ici. C'est pareil, hein, ça j'en ai plus besoin. Je vais les vider, hein. Ça j'en ai plus besoin. Ça j'en ai plus besoin. Ça je pourrais les trash. Trash-moi ça. Là c'est en train de me faire de l'améthyste, ok. Prudentium. Donc, un comme ça, 1, 2, 3, 4, ok. Améthyste, ça. C'est 3 qu'il m'en faut à chaque fois. Ouais, c'est 3 qu'il m'en faut. Ça. Bah go. On va booster un peu parce que c'est trop long. On va lock le craft. Tout me vider. En train de ne tout me vider, donc ça c'est parfait. La l'améthyste 3600. On avait dit combien tout à l'heure qu'il me fallait? C'était 800 fois 9, 7200. Bah, c'est le double du coup qu'il m'en faut. Améthyste, je crois qu'à 5, 6, 7, 8, 9. Non. Si. Tac, paf. Fais ça. Là, ça, c'est vidé. Ça. C'est vidé. On récupère. Ça, hop, hop, tac, 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 tac. Maintenant, plus qu'à attendre que les shards se font. Ça, je récupère. Je mets ici. Ça va se faire. On booste. On récupère. On met ça ici. Non, on récupère, on pose ça ici, j'ai dit. Boost. Voilà deux. C'est tellement lent. Affreux ce truc.
Encore 12. Roland. Mon dieu. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire thermal? On peut faire une petite upgrade genre en ça là. Start. Oh, pour tester. Si on peut aller plus loin même. Est-ce que je peux faire ça? Ça a l'air hein. Déjà en faire un. Je sais pas si j'ai des quêtes là-dessus. On fait des quêtes thermales. Ouais. On n'a pas fait les upgrades dedans. Non. En vrai. On pourrait lancer déjà le gros direct. Mais est-ce que ça vaut le coup? I don't know. Il est en train de me faire quoi? Bah, les plates, hein, les Zinvar. Ça, faut vraiment que je regarde. Je vais l'autre autocrafter. Faudrait que je fasse thermal. Je ferai hors live. Bon, maintenant, Sum 41. Oui, mon pseudo est à rallonge. Bon, ça va par ici. Bah, ça va bien, et toi? Pour thermal, ce qu'il va me falloir, c'est surtout ça. Les Flux Linkage Amplifier. Ça, ça boostera. Non, c'est pas ça. Increase non pire. Increase process speed. Ah si. But reduce RF efficiency. Si, c'est ça. Ça, il va m'en falloir. Donc en vrai, on a tout en auto. Donc ça, on pourra les lancer aussi. On pourra les lancer. Quel est le but de ce stream? Bah sur ce stream, on a avancé sur des autocrafts au niveau de bah, d'Applied pour tout ce qui est thermal. Donc là, bah, moi, je me lance des petits autocrafts par-ci par-là pour pouvoir booster un petit peu mes machines. Mais c'est surtout pour moi me... Attends, je vais te montrer directement. Pour moi, me faciliter la vie. Si on va voir les autocrafts que, enfin les autos que j'ai fait, c'est dans une compact crafting, enfin une compact machine plutôt, juste ici. Et dans cette compact machine là, bah j'ai amené ici un quantum bridge d'Applied qui ici est connecté à toutes mes machines, donc pas mal d'induction smelter, de multi servo press, ici un magma crucible plus un fluide encapsulateur. Pour me faire plein d'autocrafts de gear, de play, de lingots, etc. etc., etc. Donc déjà on a fait ça et ensuite là on s'est lancé sur, sur Mystical. J'aimerais bien finaliser ce soir toute la partie Prudentium qui est juste ici, qui me permettra de débloquer ensuite la tertium avec du silicone, du brass, du bronze, de l'améthyste bronze, du slime steel et du pig iron. Ça peut être pas mal aussi, notamment le silicone. Donc voilà, donc encore pas mal de petites choses à faire, mais là déjà aussi j'ai plus que l'améthyste shard à faire et on aura terminé pour tout ce qui est mystical. Ça je récupère et ça prend du temps. Ça prend du temps. On se lance petit à petit, mais voilà, il me reste encore deux à faire pour que j'ai mes 9 améthystes. Améthyste seed. Donc là en gros on a terminé. Je vais pouvoir récupérer ça d'ailleurs. Tac. On a terminé ça. Il nous restera après bah, ça sera plus tard. Alors, peut-être pour le prochain stream, on verra bien. Mais là ouais, c'est des charmes. C'est tellement long ça. Est-ce que pendant que ça se fasse, j'irai pas poser déjà mes premières seeds? Hop, ça avance bien et vraiment tes bases sont juste magnifiques. Depuis que je te regarde sur YouTube, je kiffe le rendu. Ben merci beaucoup, ça fait très plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à les personnes comme ça qui regardent mes vidéos YouTube, si vous voulez m'aider un peu plus, n'hésitez pas à commenter les vidéos. Même si c'est un tout petit message, ça fait super plaisir. Bah parce que déjà, ça montre qu'il y a des personnes qui regardent et qui commentent, ça c'est trop bien. Et en plus de ça, moi ça me soutient parce que ça permet de booster un tout petit peu plus le référencement pour que mes vidéos soient un peu plus regardées. Et donc voilà, on ne mange pas de pain. Si vous voulez m'aider, et ben un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
Âme. Comme améthyste. Voilà. Ici, c'est bon. Du coup, là, regarde. On a notre champ. Amé. Amé. là, on a notre champ domestical qui tourne plutôt bien. Et je sais pas si t'es encore là, Gugus. On va regarder vite fait. Si on regarde Obsidienne. Tu sais, j'en ai déjà 294 alors que ça n'a pas tourné depuis énormément de temps. Le premier qu'on a mis en place, tel quel, Nature. Nature, 664, tu vois, j'en ai presque un quart en... Ouais, ça fait combien de temps que ça tourne, mais c'était pas énorme. Pas énorme, pas énorme. Ok, est-ce que je vais pouvoir faire mes deux dernières seeds? Ça, déjà, je le pose. Ça. Oh, c'est un enfer. Hein. Heureusement qu'on peut faire ça quand même. Heureusement qu'on peut faire ça. Ça aide. Hop, et après, il m'en manquera 3. Est-ce que ça servira à d'autres crafts? Non. Ah, mais c'est bon. J'ai mes 3 derniers. Arrête ça! Je veux plus te voir. Ah bah merci beaucoup. Bah le pouce bleu et le commentaire, ça aide énormément. En plus, j'essaie de répondre à tous les commentaires qu'on met. Donc, n'hésitez pas. Et puis même, hein, si c'est juste un petit message aussi, même des fois, vous avez des questions, vous avez des idées de choses que vous voulez que j'automatise ou des choses comme ça, bah n'hésitez pas à le dire. Si un jour vous me dites, tiens, comment tu fais pour... Alors je sais pas c'est quoi que j'ai... Bah, par exemple, juste les compact crafting là. Comment tu fais pour automatiser les energizing de... Alors, hop, de Powa. Comment tu fais pour auto-crafter les energizing orbs de Powa? Bah regardez, je vous ai sorti un tuto pour les automatiser avec Applied. Il y a plein de petits tutos comme ça que je vais faire, que j'ai fait pour automatiser avec Applied. Donc ça peut être très utile, notamment même sur la partie ici Alchemistry. J'ai déjà tous les lingots ici qui sont en full auto. Il y en a qui sont plus lents que d'autres. Hein. Ici, il y avait les resin plates qu'on avait automatisés. Là, j'ai le graphite. Il y a plein de choses que vous allez voir ici. Regardez, ici, j'ai les carbon fibers. Ça sera en vidéo aussi, comment le full auto. Donc, il y a plein de trucs que je vous montre en automatisation. Mais si vous avez des choses que vous galérez à automatiser, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravi de vous le montrer en vidéo. Et bien, normalement, on est bon. Flux linkage, là. Linkage. Ça, je peux pas en faire genre 10. Voici. Attendez. Moi, je vais automatiser des choses. Là, je vais stopper le live là parce qu'on a déjà bien bossé. Mais en gros, dans l'idée, je vais vous expliquer ce que je vais faire hors cam, qui sera juste de l'attente. thermal. Je vais récupérer ça. Et ça, je vais en faire 3. Si je vous montre, déjà, ici, on est à combien? On est à 50 000 RF. 20 RF par tick, 100% d'efficiency. Si je mets ça, on passe à 40 RF par tick et là, 100 000. Déjà, on va... Voilà. Et ça va un tout petit peu plus vite. Maintenant, si on va encore un peu plus loin... Ouais, et en vrai, au début, hein, tout le monde galère sur les autocrafts, sur les P2P. Et en vrai, il n'y a rien de plus simple. Après, dès que tu as pris la chose en main, tu verras que c'est hyper simple et tu vas faire que ça. Flux linkage. Ah ça, il y avait des quêtes, tiens. On va en installer un. Là, efficiency 81%, mais 81 RF par tick. Mais normalement, ça devrait aller plus vite. Ah, le speed à côté, combien ça me... Mais ça m'augmente. Parce que en vrai, le max use 120 FE par tick, ça c'est pas bien grave. Hein. Voilà, là on est bon. Maintenant, si je dis Iron Gear, si j'en demande 10, start. Ah voilà, regardez. Ça va tout de suite plus vite.
Et ça, si je le retire, voilà, c'est plus lent. Et là, ça va plus vite. Et donc ça, le but, c'est que ça, je le range. Si je fais augment, on peut aller au reinforced. On va aller tester. Ah bah oui, refine storage, oui, c'est plus simple. ça, ça va aller déjà un peu plus vite quand on aura celui-ci. Ça ira encore plus vite avec le resonant. D'ailleurs, je vais pas les mettre ici. Je vais le mettre dans... Je répète, on va être plus intelligent que ça. On va se mettre au niveau des alloys. Parce que l'enderium, c'est hyper long à faire. Donc là, si je mets ça là, 150 000. Et là, si je lui demande, par exemple, enderium. Start. Oh oui. Oh, ça va tellement mieux. Pour info, avant c'était ça. Voilà, voilà. Donc déjà avec ça, ça booste. Avec ça, ça va encore plus vite. Maintenant, en parlant d'Underium, Resonant. Start. Ça va être encore mieux. Et ça, le but, c'est que j'en craft pour toutes mes machines que j'ai là, ainsi que les Flux Linkage. Je pourrais peut-être lancer les autocrafts pour la fin du live, comme ça, demain matin, quand je vais me connecter. Normalement, ça devrait être terminé. On va regarder ça tout de suite. On va attendre. Combien il va m'en falloir? 1, 2, bah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. J'ai tout ce qu'il faut. Ça va être beau. Faisons le test déjà. Résonante. Ça, si je le mets, 200 000, c'est mieux. Et maintenant, Underium, si je lui en demande une dizaine, start. Ah oui. Alors c'est pas fou, on dirait comme ça. Mais croyez-moi que par rapport au début, là, l'Underium, c'est trop bien. Le modpack auquel tu joues, qui j'imagine est de ta création, est un expert. Celui-ci là, Chroma Endless 2, on peut considérer ça comme un expert entre guillemets. Alors il y a des choses qui sont pas non plus, c'est pas expert, il y a plus que ça. Hein. En expert, il y a des modpacks qui sont plus experts que ça. Après, si t'entends expert en mode, parce qu'il y en a qui entendent ça comme ça, t'as beaucoup de crafts modifiés, t'as une continuité dans les crafts, dans les modes. Il y a des modes qui débloquent d'autres modes, etc. Oui, dans ce cas-là, oui. Après, on a essayé sur le Chrome NS2 d'aider au maximum avec les quêtes, notamment les main progressions ici. Et pour ceux qui débutent en modé et qui veulent aller sur le Chrome NS2, on a mis des secondary quests qui expliquent d'autres... par exemple, Hostile Neural Network, comment ça fonctionne. Par exemple, Forbidden Arcanus, comment avancer dans Forbidden Arcanus. Donc vous avez plein de petits tutos. Ok, donc ce que je disais, résonante, on va en refaire 13, tac, je start ça, et en même temps les flux linkage, je peux, start, et là voilà, on lance la chose, et ça va se faire petit à petit, et comme ça moi je peux me déconnecter et demain matin je pourrais booster toutes ces machines là. Voilà, voilà. Et puis si jamais t'as des problèmes, si t'as des difficultés ou des choses comme ça, il y a mes vidéos qui sont sur YouTube. Il y a d'autres personnes, notamment ML qui a fait des streams et qui a ces rediffusions qui sont sur YouTube. Donc il y a des YouTubeurs français qui ont fait le modpack. Donc ça peut t'aider si jamais t'es vraiment bloqué sur quoi que ce soit. Et si t'es réellement bloqué, n'hésite pas sur mon Discord à poser des questions. On sera heureux de te répondre. Et de t'aider. Ou de t'orienter. Et ben voilà. Bon ben les amis, vous savez quoi? Nous on va se laisser là pour ce live. Ça sera déjà un beau petit live de 2 heures. Ça fait un moment que j'ai pas live autant. ça fait plaisir, ça a bien tourné, on a fait des belles automatisations. Attendez, je sais ce qu'on va
faire pour terminer ça? Parce que c'est sûr que je vais me déconnecter, je vais oublier et je vais avoir mon under chest qui va être full demain matin. Tac, ici, c'est sûr que j'ai oublié. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ça et ça, on va le poser ici et ici. Comme ça, on n'aura pas de problème. Bon, merci beaucoup. Bah pour le follow, go now, why me cannot play with frame on chroma. If you are any question, please go to my Discord. my life is terminated. Hein? It's finished. allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très très vite pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos sur Chroma MS2, mais aussi sur d'autres choses. Je pense que par moment je ferai peut-être des lives sur d'autres jeux. J'ai envie de jouer aussi à d'autres jeux par moment en live, même s'il n'y a pas grand monde. Voilà, il y a des jeux sur lesquels j'aimerais bien jouer qui vont sortir semaine prochaine, des choses comme ça. Donc peut-être qu'on verra bien. Bon, les amis, comme je vous disais, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas sur la rediffusion à mettre votre petit like sur YouTube ainsi qu'un petit commentaire. Ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Salut les amis. Take it back your heart. Still spinning inside your orbit.